Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écrire une phrase en attaché avec Mademoiselle U. Mademoiselle U est une alpha-voyelle qui fait U sur son cheval. Elle l'a regardé grande tresse dressée sur sa tête. Nous allons écrire la phrase suivante. Mademoiselle U porte des tresses. Point. Nous allons essayer d'écrire comme les grands dans le rail. Il y aura des petites lettres qui seront dans le rail vert sur l'herbe. Des lettres plus grandes qui iront jusqu'en haut du ciel. Le M, la majuscule, les deux L et le U. Des lettres moyennes comme le D et le T, qui vont aller jusqu'au milieu du rail bleu, et des lettres qui descendront tout en bas jusqu'au trait rouge. Allez, on commence. Nous allons écrire le mot « mademoiselle ». Il est très long. Je tiens bien mon crayon et je commence par la majuscule du M. Un trait vertical, un trait oblique, qui remonte et encore un trait vertical. Le M. Je vais accrocher mon M avec le A, qui est la lettre qui vient juste après, parce que j'écris en attaché. Toutes les lettres sont attachées. Une petite canne et j'écris la lettre A. Je suis obligée de relever mon crayon pour écrire la lettre D. Comme un A avec le trait qui remonte. Je ne relève pas mon crayon, je fais le M, le E pardon tout de suite, puis le M, trois sauts. Hop, une petite canne, je relève mon crayon pour attaquer la lettre O. Je rentre, je ressors, hop, je fais un I. Un S et je relève mon crayon. Je fais le petit point d'huile. Je vais faire une petite boucle pour le E. Ensuite, deux grandes boucles avec le dos bien droit pour le L. Petite boucle du E. Je monte jusqu'en haut du trait bleu et je fais un trait bien droit pour le L. Et une petite boucle en dernier pour le E. Je viens d'écrire un long mot, qui est le mot « mademoiselle ». Ensuite, j'écris la lettre U, un peu plus loin, toute seule. C'est le nom de la demoiselle. Je vais maintenant écrire le mot « porte ». Ce mot commence par la lettre P, qui descend jusqu'au trait rouge. Je me mets sur le trait marron, je monte un trait oblique, un trait vertical qui descend bien droit. Je repose mon crayon et hop, je saute. Je relève mon crayon pour faire le haut. Je rentre, je ressors. Je remonte un tout petit peu, un trait horizontal et un trait vertical. Je viens de faire le R. Je vais dépasser un tout petit peu et je redescends le T. Et la petite boucle tout de suite du E. Porte. Mademoiselle U porte. Maintenant, un autre mot, le mot D. D-E-S. Je le regarde bien, je vais pouvoir l'écrire sans relever mon crayon. Je fais d'abord la lettre D. Elle dépasse le E tout de suite et le S. J'ai écrit le petit mot D sans relever mon crayon. Le dernier mot est le mot tresse. Je laisse toujours un petit espace puisque j'écris un autre mot. Je monte tout droit, je redescends, je continue tout de suite en faisant le R, E, mon S. Je relève mon crayon, je fais un autre S.
Je relève mon crayon et je vais écrire E, S. Je termine par la barre horizontale du T. Et à la fin de chaque phrase, il y a toujours un point. Ma phrase est écrite. Je la lis en montrant chaque mot. Mademoiselle U porte des tresses. Voilà, mademoiselle U. On s'est bien entraîné. À bientôt pour une prochaine vidéo d'écriture.